Boker Tov à tous, Shana Tova, des bonnes nouvelles. Notre résumé du jour du Tomer Deborah, le palmier de Deborah, Rabbi Moshe Kondovero, troisième jour du mois. Une leçon de morale extraordinaire, car Akadosh Baruch Hu, il se comporte vers nous comme de la famille. On le sait très bien, on vient de lire à Rosh Hashanah, Im kebanim rahamenu kerachem av albanim. Si nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, et bien que papa va avoir vers nous des miséricordes. Mais on oublie un point, il n'y a pas que moi qui est le fils d'Hachem. Tous les gens autour de moi, c'est aussi les enfants d'Hachem. C'est le même papa. Donc, c'est mes frères et mes sœurs. Et si je comprends que chaque personne autour de moi, c'est ma famille, il faut qu'on comprenne que quand il y a quelqu'un de la famille qui souffre, on doit souffrir comme si c'était nous. Et quand il y a quelqu'un de la famille qu'il est joyeux et qu'il a une joie, c'est pas que la partager pour le comprendre et après oublier, c'est vraiment d'être joyeux comme si c'était nous. Car c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu se comporte vers nous, comme dit le prophète Ishaïa, Bechol tzaratam lotza. Dans chaque décret, chaque souffrance qu'on a le peuple juif, Akadosh Baruch Hu souffre beaucoup plus. Alors c'est à nous d'essayer de comprendre notre entourage et de savoir, comme le dit la Gemara, Shvuot, page 39, « Kol Israël arevim ze bazé ». On est tous garants un sur l'autre, comme l'histoire qu'il amène Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara, vous connaissez très bien, avec le monsieur, qu'il a pris une chambre dans un bateau, et il a décidé de faire un trou dans le bateau, peut-être qu'il voulait changer de fenêtre, ou n'importe. Le capitaine vient le voir, lui dit « Monsieur, vous allez faire couler le bateau ?» Il lui répond, il dit, mais c'est ma chambre, j'ai acheté, j'ai le droit de faire ce que je veux. Vous comprenez très bien qu'on est tous dans le même bateau, le peuple juif. S'il y a quelqu'un qui fait un trou, ça influence tout le bateau. Mais on doit prendre le même message également par rapport à, pas les dégâts, les bénéfices, la bonté, la joie. Quand il y a quelqu'un qui est joyeux dans le bateau, on doit se mettre avec lui dans la joie comme si c'était nous. C'est pour ça qu'il nous termine le ramak du jour avec « Ve'ahavta l'ereacha kamocha ». Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que même si ça va pas, il n'est pas des mêmes idées comme toi, il n'a pas la même façon de voir les choses comme toi, c'est là qu'il faut l'aimer. Parce que si on se comprend bien, c'est plus Ve'aftal Erecha Kamocha, c'est Mashe Sanuy Alecha Al Ta'aseh Lechaverecha. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aurais pas fait pour toi. C'est normal, tout le monde peut le comprendre. Mais un juif, il doit comprendre d'aimer le prochain même quand ça ne va pas. Justement, c'est là qu'il faut faire des efforts en plus. Et comme ça, on devient tous une grande famille, unie, une hardoute, et c'est comme ça qu'il va...